Prenons là les gars, je suis en train de faire tous les épisodes de bon, écoute mec, à un moment donné je vais pas utiliser toutes mes cartouches de... Ok. Ah j'ai pas le choix. Oh là là, mais quel trisomique. J'ai un coup de ça mec. Mais lui il s'en bat les couilles. Moi les gars à la base je voulais pas tirer. Bah voilà tu vois là... L'autre malade là. Hey, c'est fermé. Putain qui a fait ça? Sérieux, il se passe des putains de trucs vraiment étranges ici ce soir. Mec, après t'as vu la tête du portail, connard, tu peux pas y grimper. Oh putain, Matt, il me casse les couilles, hein, là. Ah non, il m'a saoulé de ouf. J'arrive pas à croire que Josh soit mort. J'arrive pas à croire comment il est mort. Non, enfin, et si ils avaient tort? Quoi? Peut-être qu'on aurait dû aller à la cabane pour en être sûr. J'en sais rien. Il y a des trucs, une fois qu'on les a vus, bah, on peut pas les oublier. Ouais, c'est vrai, mais des fois, c'est quand même mieux de vérifier. Je vais les croire sur parole. Je vais pas, je vais voir s'il n'y a pas un totem dans le coin. Étonnamment, maintenant j'ai beaucoup plus envie d'être dehors qu'avant. Et quoi, c'est un totem? J'ai failli pas le voir. Est-ce que quelqu'un l'a déjà ramassé? Non. Matt qui tombe. Ok. Matt qui tombe d'une falaise. C'est vraiment génial. Regarde, une hache. Je me sens vraiment mieux avec une hache. Indice trouvé, hache. Oh mais quoi, c'est fermé, Matt. Casse la porte, tu veux? Attends une minute, il va nous entendre si on commence à tout casser. Est-ce que t'as une meilleure idée? Pas là, non. Si. Regarde. Quoi? Une fenêtre. Super, Matt. Je peux à peine faire passer mon baume à lèvres à travers ce trou. Allez, sérieux. Tu passeras jamais par là, mon grand. Ouais. Si on y va discret, ouais, mais c'est quand même la meuf. Oh, vas-y, salope. Mais casse pas les couilles. Je passerai pas. Mais toi, si. T'es malade? Tu veux me faire passer par ce tout petit trou? Je t'ai vu rentrer dans des jeans plus serrés que ça, M. Oh, pardon. C'est un talent. Trouve autre chose, parce que là, pas moyen. Si ça se trouve, ce taré peut tout à fait être là, sous la fenêtre, à nous attendre pour nous découper en rondelles. Ok. C'est parti. Je respire, et je vais. Mais mind-toi! Quoi? C'est une putain de blague, mec. C'est vraiment un soumis, Matt. Hein. C'est chaud. Bordel. Mais c'est quoi? C'est dingue. On était là il y a quelques heures. Ça vient juste de se passer. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Die. Celui qui a eu Chris, Ash et Josh. Il doit savoir que c'est notre seule issue. Oh, dis pas ça. Regarde, le téléphérique est tout là-bas. C'est pas si loin, si. Tu peux l'atteindre? Je suis doué, Emma. Mais pas tant que ça. Mais merci. Mais Matt, tu peux pas sauter. Comment on va faire? Je sais rien. T'as été complètement bousillé. Ouais. Je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Ah putain.
Alors attends, nous on est où? Quelqu'un voulait vraiment à cette pièce. Quel bordel! Déjà que ça fonctionnait à peine avant, alors maintenant... D'accord, donc là il y a le sanatorium. Là-bas, je pense qu'il y a la maison. Et là, il y a le... Ranger Path. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on puisse faire. Là, la tour radio, voilà. Bah, regarde le foutoir. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans. Hé, hey, Magellan, peut-être qu'il faudrait faire marcher le téléphérique pour continuer, tu crois pas? Grosse pute, bah, comment tu fais marcher le téléphérique, connasse? C'est charmant. C'est flippant. Sur mon avis, c'est surtout de la peinture. Merde, je pensais que c'était un truc au sol, mais en fait. Ok. Super. Hein. Pas de clé, pas de téléphérique. Donc, retour à la case départ. Et pourquoi pas la tour de guet, celle qui est sur la carte là? Bah, c'est peut-être une solution. Oh, peut-être qu'il y a une radio ou quelque chose, enfin, ce serait logique, non? Je la déteste, hein, mec, vraiment. Sûrement, ouais. Matt, nous devons trouver cette radio. Oui, c'est moi qui t'ai proposé l'idée, connasse. On pourrait utiliser la radio pour appeler à l'aide. Il y a bien quelqu'un qui devrait capter le signal. Waouh, Matt, trop fort, une radio. Bon. Pourquoi t'es aussi chiante? Écoute, c'est du sérieux, cette histoire. Eh, Matt, doucement. Salope. On va pas se mentir, les gars, ça, elle est vraiment chiante, là. C'est vraiment... Eh, je sais pas ce qui m'empêche de te foutre un coup de hache, la connasse. Mais arrête de faire... Arrête d'être connasse là, arrête d'être conne. Je nous sors d'ici, monsieur l'intello. Ah, je la supporte plus, les gars. Allez, dépêche un peu. Eh, mais s'il te plaît, mais meurs, meuf, mais crève. Regarde cette beauté. Toi, tu viens avec moi. Un petit truc genre là. Non. Tant pis. Et voilà le travail. Amène-toi. On peut carrément partir d'ici. Ça va? Devant pour me protéger. Connasse. Ok. Voilà, me faire tu t'as même pas la lampe de poche. Doucement. J'en reviens pas, quoi. C'est bon. C'est pas là où il tombe. Presque. Presque. Je me sens pas super bien. Regarde pas en bas. J'ai l'impression que c'est là où il tombe. Hein. Faut pas que j'aille vers le vide. Ok. Bien. Bon les gars, je suis pas un connard non plus. Hein. Je vais essayer de faire en sorte que tout le monde survive. Sauf Emily, j'en ai rien à foutre. Mais tous les autres, je les aime bien. Même Matt et Jess. Il y a un totem là, je l'ai vu. Hop. C'est un jaune. Ok. Il me faut la fusée de détresse quand je joue Matt. C'est le très très important. Ça marchait pas. Quoi? La radio. Ça va marcher. Mais si ça marche pas. Mais ta gueule là! Oh là là! Peut-être. Non, j'avoue, là elle est pas conne. Mais... juste descendre. Descendre quoi? La montagne. Oh, arrête tes conneries. C'est quoi le problème? C'est pas comme si elle était suspendue dans les airs. Ouais, et bah ça change rien. On y voit que dalle. Hey, si ça se trouve, on n'aura pas besoin de le faire. Tu crois que le psychopathe va juste lâcher l'affaire et s'enfuir? Non. Mais on doit peut-être trouver une cachette. Attends. S'y planquer et attendre. Ça sera plus facile. Ce plan, il m'a paru méga suspect. Je sais pas pourquoi. On va pas se cacher dans le chalet. C'est
là, ils attendent à nous trouver. Enfin, on se cache à la tour radio et tu me fais pas chier. Ouais, mais après il va mettre le feu là, comme dans je sais plus quel film. Étant mortel. D'ailleurs, si vous n'avez jamais regardé les tours mortels, regardez-le. Les. C'est pas. Ça fait pas peur. Mais c'est très sympa. En fait, il y a un personnage qui fait peur et c'est. Un perso, genre, il est comme ça. Tout le temps, ça fait trop bad. Enfin, moi, ça me met mal à l'aise. En tout cas, ça me fait peur. Y'a quoi là-dedans? Vache là-bas, gros, je suis pas bien. De Bess? Waouh, c'est le portable de Bess. Je croyais que la police avait balayé toute la zone. Bah, ils sont passés à côté. Mec, là, je suis pas fou, gros, y a des vaches. Ouais, c'est... Merci Emily pour la lumière, t'es quand même une meuf un peu sympa des fois, j'avoue. Faut pas que je reste vers le vide. Totem de chance. Ok, faut que j'ouvre la porte avec H. Ok. Eh, mais c'est là où elles sont tombées, non? C'est là où je risque de tomber aussi. Regarde bien où tu marches, Emily. Ouais, Matt, si tu me demandes, j'aimerais autant ne pas passer la nuit à dégringoler d'une falaise jusqu'à ce que j'en crève. T'es vraiment marrante, meuf. Merde, c'est quoi ça? Matt, il doit pas rester vers le vide. Hein. Je vous mens pas, les gars. Oh putain. Quoi? Oh mon dieu, non! Eh oh! Oh bordel de merde! Qu'est-ce que vous faites encore? Une mauvaise blague? Oh, ok. Putain. Oh putain, oh putain, je suis pas bien, les gars. Il y a un petit effet chelou vers les cheveux de Sam pendant la grosse cinématique. Putain, 1h11 du matin, faudrait aller voir à quelle heure elle allait se coucher. Se mettre dans le bain. En tout cas, les gars, moi j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu familial. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Until Dawn, qui signifie jusqu'à l'aube. Voilà, t'es pas con, tu le savais peut-être pas, moi je l'ai appris, voilà, je suis content. Voilà, donc on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. C'était Frank & Co, bye tout le monde.